Maya Cachabac, l'artiste principale du projet, s'est occupée d'approcher les organismes communautaires. Donc, elle a approché premièrement Monchac, deuxièmement Grace Village, puis troisièmement, elle a travaillé avec Uplands. Moi et Maya, on travaille ensemble. Elle a pensé à moi pour être animatrice du troisième atelier. Ariane, qui coordonnait le projet chez Uplands, m'a aussi contactée un peu en même temps. Puis ils m'ont approché pour donner des ateliers d'écriture dans le cadre du projet. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils me contactent parce que c'est le genre de projet qui je trouve stimulant puis à la fois porteur pour la communauté, de faire découvrir l'écriture créative à des gens qui n'ont pas souvent accès à l'écriture. C'est un de mes objectifs aussi en tant qu'artiste. Donc, les ateliers étaient donnés dans les organismes. Donc, j'ai approché Estriade qui ont été très généreux, qui nous ont donné des tissus vu que c'était un projet communautaire. Je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup de tissus qu'on a amenés sur place. Puis, on a apporté des choses comme du fil à broder, des billes, des marqueurs à tissus. On a appris différentes techniques de broderie. On a appris aussi comment coudre des billes sur le tissu. Aussi, on avait une grande sélection de tissus qu'on pouvait choisir la couleur puis les motifs. You create something out of your own ideas to bring the colors out to brighten up everything, which is really nice. J'avais pas vu mon œuvre avant aujourd'hui terminée, mais j'étais surprise parce que c'était un nouveau médium pour moi, le collage, le lanterne. Ça a fait des textures, c'est magnifique. Donc, c'était une bonne manière après ça de partir des mots pour aller vers le processus visuel. Donc, c'était vraiment là où moi, j'arrivais à donner de l'inspiration, à insuffler des idées, puis à les amener dans une direction où ils allaient pouvoir raconter quelque chose avec leur lanterne. Dans le fond, les trois lanternes, c'est des œuvres collectives. Donc, chaque participant peut retrouver son œuvre personnelle dans la lanterne. I create something which is really lovely. I liked it. And I also saw some of the other people that made some. And I really enjoyed it. And I'm ready to do it again.